Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nostromo Edition. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre premier jeu Etheria, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes qui va être disponible pour les festivals de Cannes. On va pouvoir le présenter, on va pouvoir vous faire jouer. Mais tout de suite, je vous propose de faire une petite ouverture de boîte, voir ce qu'il y a sous le capot de la bête. Alors allons-y pour cette ouverture de boîte. Donc la boîte Etheria, on ouvre tout de suite, donc c'est pour 1 à 4 joueurs, hein, 20 minutes, à partir de 10 ans. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Bon, évidemment, un livret de règles qui détaille les différents modes de jeu, puisqu'il y a le mode compétitif, coopératif, solo, plus d'autres à venir, dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. On trouve une planche de pions, donc de tuiles, à découper recto verso. Il y en a une pour chaque joueur, donc il y a 4 planches comme ça. J'en ai déjà dépunché une que j'ai mis dans un sachet plastique, parce que le jeu est fourni avec les sachets pour pouvoir ranger les tuiles une fois qu'on a terminé la partie. Ça facilite un petit peu la préparation pour les parties suivantes. On a un bloc de score qui permet de jouer 80 parties avant d'avoir besoin d'imprimer une nouvelle grille, donc ça laisse un petit peu de temps. On trouve des cartes de légende, donc les cartes légendes, il y en a une quinzaine, il y en a 15 exactement, et on trouve également 80 cartes royaumes qui permettent de jouer donc jusqu'à 4 joueurs. Donc on va faire une petite mise en place du jeu, et puis on va rentrer un petit peu dans le détail.